Salut YouTube. On parle société et amiante dans le chat. Mais sinon, on est sur Animal Well. On a allumé la flamme de l'autruche. Maintenant, il y a trois autres flammes et je sais pas ce que je fous. Et je sais pas où aller. Donc laissez-moi tranquille, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir. Pas 16 œufs. Mais combien d'œufs d'ailleurs? J'en ai pas beaucoup, j'en ai pas trouvé. Là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai toujours 10. J'en ai pas trouvé un seul en bas, ce qui est bizarre. Voilà, on y va de l'autre côté. Là, il y a Jean-Michel Loup à gauche. C'est dur. Et quoi là-haut déjà? Je me souviens pas. Faire de ça. Hein. Bon, là, on peut vraiment rien faire. Je me fais gnoquer. Je peux effrayer le chien avec des pétards? Non, rien à foutre. Paf, qui au passage est un bureau de contrôle, mais aussi un accréditeur. Sinon, on est juge ou parti. Bien fait, ça! Hein, un bon organisme privé qui décide de tout, là. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. J'aime bien ça. Genre de news qui donne le smile. Je peux pas y aller. C'est plus quoi faire quoi. C'est plus quoi faire dans le jeu de mort. Par aller au renard, qu'est-ce que je peux foutre en fait? Je peux aller gratter le coffre là-bas. Dit-il en se faisant croquer le cul. Moniteur d'auto-école qui a pas le permis. Une bonne analogie. Mais il est vivant lui maintenant? Il était pas vivant avant, pourquoi il est vivant? On pourrait se dire, on ripop dernier point de sauvegarde, ça peut être loin et tout et tout. Mais en vrai, c'est rapide à faire, donc ça va. Je vais vraiment croquer le cul par tout ce qui passe. Une vraie dinguerie, ça. On va péter ça avec le yo-yo. I am going to go me faire foutre. Je
j'y arrive. C'est bon, j'y arrive. Textuel fait pareil, maintenant aussi on contrôle. Bureau, Veritas, exploitation. Veritas, quand il y a Veritas dedans, ça sent les francs-maçons. C'est normal que ce soit les problèmes. Détruire, on reconstruit. Bureau de Veritas, construction. Putain. C'est une dinguerie, ça. Va de l'autre côté, mec. Va là-bas. J'ai plus de pétard. Je fais tout le chemin pour le fumer, mais on peut pas. I am so sad. Je vais chialer en fait, c'est tout ce que je vais faire. Il y a toujours un corbeau là. Je suis jamais à la gauche là. Pourquoi si je saute? Des regrets. Le... Ok, l'oiseau déteste les bulles. Problème d'eau chez toi, t'inquiète, on t'envoie PF environnement. Problème d'eau chez toi? Pas de soucis. Ah mais j'avoue que ouais, c'est abusé quand même. La buée partout. Moi, je suis quelqu'un de désabusé. Bien, genre, ça me touche tout ça. Mais... Moi, je suis au bout du rouleau, ça. Que des désillusions de la vie. J'ai l'impression qu'il va falloir que je me tape le renard. C'est de la manière la plus affectueuse possible. Mais... Ah. Ah oui, c'est vrai. Pas de chance. Moins chiant que ça en avait l'air. Ok, peut-être trouver un point d'avancement. Traité sur les problèmes, on est notre propre labo qui a analysé nos propres échantillons traités derrière par notre propre logiciel. La dinguerie ça. T'établis tes propres règles comme ça. Et t'imposes ton monopole à tout le monde, let's go. Oh, flamme. J'arrive, petite flamme. J'arrive, petite flamme. Sans amiante, le Saint-Honoré. Et si je veux d'abord, hein. Pensez que vous mourrez plus vite si vous ingurgitez de l'amiante ou du plomb. Je pense que le plomb ça tue plus vite que l'amiante.
C'est directement toxique. C'est ce que je veux dire. Quoique l'amiante ingéré, ça doit être directement toxique aussi, donc. Ah. Vrai test. J'ai mangé et trouvé ton dessert. C'est quoi ton dessert, Nirla? Je veux juste le dessert. Plomb te déglingue plus vite. Moi aussi, je dirais ça. Hein. Pas encore de téléphone. C'est la gofoie direct. Oh, let's go. Ouais, parce que l'amiante, c'est fufu. C'est subtil. Alors que le plomb. Le plomb, ça attaque direct. À la carotide, boum. Tiramisu fait maison par ma maman. Tiramisu café, du coup. On est sur un basique. Enfin, sur un basique, je veux dire, sur un classico, quoi. Comme tu l'as dit, finalement. Je n'y arriverai pas. Comment on va faire ? Simple, basique. Simple, basique. J'ai pu interagir avec mon truc en le poussant, ça aurait été insane. Mais je peux faire ça. Parce qu'il y a un autre level de dinguerie. Un œuf. Putain, j'ai enfin trouvé un autre œuf. Après 4 heures sans œuf. Ok. En vrai, non, ça passera pas. Ouais, mais du coup, je suis intrigué. Ah, mais c'est ça qui va nous faire la flamme. Bon, on verra après. Le streamer fait des tiramisu. Il fait pas que jouer à StarCraft. Dire que ces tiramisu sont pas mal. Bien que c'est à long terme, mais le plomb, tu vas te faire très rapidement le plomb bémile du saturnisme. Saturnisme, comme Saturnin, le canard. C'est une vanne. C'est bon, c'est une vanne. Mais oui, le plomb, c'est toxique direct, inhalé. Enfin, ingéré. Mais l'amiante, je pense que tu meurs assez vite aussi quand même si t'en ingères. C'est une nation qui est 100% dangereuse. Hein. Ça part dans les poumons, l'amiante, c'est possiblement moins grave. Ah! Je bossais sur du phénol, de l'arsenic, du cyanure. C'était mon vieux temps. Hein. Comme qui dirait. On savait s'amuser à cette époque-là. Hein. Moi qui vous le dis. Il va y avoir un truc à faire avec cet oiseau. Je sais pas encore quoi, c'est le souci. Tu peux pas venir toi? Tu peux pas m'aider? Totalement m'aider le con. Du coup, si j'ai pas la flûte, je peux pas passer. Donc il faut bien trouver 8 œufs, obligatoirement. 8 œufs, pas 8 œufs. Pas de liaison. Donc, tu vas adopter, tu vas vite ressembler à Saturne. Jonis. S'il faut à meurt, oui, c'est sûr qu'on va vite jaunir. C'est l'outre.
Elle joue avec mon yo-yo, c'est infernal, putain. C'est moi qui le suis. Ok. La mécanique est sympa. Faire jouer les loutres avec le yo-yo pour pas qu'elles attaquent le ressort. Ce sont des millions de micro-UI qui créeront de légères lésions à tes organes digestifs, mais le plomb va se retrouver très vite dans ton sang et déglinguer de ses organes vitesse grand V. Ah, ça, c'est ce que je veux, ça. En vrai, venez, on teste. Je déconne. Je plaisante. Je plaisante peut-être pas. Le mec bizarre. Carré. Carré ou cash? Carré. Puis X, mais faut le laisser à ce truc-là, ok. T'es bien, j'ai tâché. C'est trop dur. J'ai pas le timing. Après, je cherche la merde quand même. Pas évident. Il y avait un très mauvais résultat sur les diacs plombes, devoir appeler Lars, car il y avait des enfants de moins de 6 ans dans les locaux. Résultat, Lars place les enfants au foyer, il tente de trouver une solution d'hébergement, que les 3 eaux soient faits. Et du coup, les parents qui vivent dans les locaux, avec les enfants, ils disent quoi? Ils disent quoi les parents? J'aurais juste des enfants tout seuls, dans les locaux? C'est vraiment con, un chihuahua. Trouve un passage différent. Il y avait un autre passage pour moi. Je pense que je mens. Pas appuyer dessus sinon ça appelle l'autre. Surtout dangereux pour les enfants car la cirrhose dans les peintures a un goût sucré. Si un enfant met des écailles de peinture à bouche, il y a de fortes chances qu'il retourne. D'où les protocoles de placement. Ah ok, je vois. Envie de goûter la peinture interdite. Pourquoi j'ai fait tout le tour? Pour ne rien débloquer de plus.
J'ai loupé un épisode. J'ai besoin d'avoir été ultra bête. J'ai loupé un truc au fond. Possible, hein. Là pourtant. La peinture au plomb à goût sucré, quelqu'un vient de la goûter, non? Bah après, si t'analyses le plomb et que tu découvres des particules qui sont semblables à celles du sucre, enfin que tu peux retrouver dans du saccharose et des trucs comme ça, tu peux savoir que ça a le goût sans toucher. Enfin sans goûter quoi. Je pense que c'est plus via les compositions chimiques qui savent ça. Je sais pas vous mentir. On peut se tromper, hein. Dommage. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de branler, hein. Et des gens, parfois, ont peut-être une idée de ce qu'ils font. Moi, aucune. En fait, je comprends pas pourquoi ils m'ont emmené jusqu'au fond alors qu'il n'y a rien à faire. C'est une dingue. D'amande. Enfin, faut pas les croire. Ça dépend. Hein. Je suis circonspect. Je ne comprends pas trop. Les loutres ne sont pas mes amis, j'ai l'impression. Je peux tenter d'aller voir ailleurs, hein, sinon, mais... Je suis perdu. Le Cléopâtre était réellement comme si il est composé de farine et d'huile d'amande amère. Elle est dégueulasse, dark. Après, les enfants mangent la colle. Même moi, j'ai dû tester. Je pense que même moi, j'ai dû tester de bouffer un peu de colle dans ma vie. Donc, qui suis-je pour juger ? Personne, laissez-moi vous le dire. J'ai vraiment hâte de resniffer de la colle dans ma vie. Franchement, je vois pas quoi faire à part aller fumer le loup, donc je vais aller fumer le loup. On va tester le truc du renard, là. Et la belette. Parce que j'ai pas d'autre idée. Je pensais que les mangoustes c'était win, mais heureusement pas été le cas.
Alors qu'en fait, c'était vraiment le parfait chemin. Peut-être le faire en éclaireur sans prendre le disque. Déjà. Par deux. Stade de plomb à un goût sucré, ce qui a incité à utiliser comme édulcorant à travers l'histoire. Let's go. Chaque fois, il y a des gars qui bouffent les à poison dans l'histoire. C'est normal en même temps, ça va. Bouillir du moût de raisin dans des récipients de plomb pour produire un sirop de sucre réduit appelé Defrotium. Ce sirop était notamment utilisé pour adoucir le vin, pour adoucir et conserver les fruits. Spéculatisade de plomb et d'autres composés du plomb étaient à l'origine de la mort par empoisonnement de nombreux consommateurs de ce sirop. Sans déconner! Ça dégage. Allez, on va à droite là. Et... pitard caché. Ça mène là. Ok. Comment ça découvre des raccourcis ? M'étonnais qu'ils ont crevé plus tôt avant. N'arrêtez pas de lécher de l'amiante et du plomb, donc forcément... Il y a un moment, ça crée des trucs, quoi. Il y aura un truc. Pas du tout. C'était merdique pour la télé de toute façon. Ça faisait de gros paquets. Vous mangez souvent de la... Vous mettiez de la colle, vous, sur vos tartines le matin au petit-déj avant ou pas? Zone early game, ça. Je pensais que ça me cachait, mais pas du tout. Ok, ne pas tomber comme un connard. Noted. Bah oui, mais... dans la catégorie de tomber comme un connard, ça.
Peut-être ma mort imminente. Mais pourquoi j'ai appuyé en fait? Je me suis juste fait bait. Je suis juste trop con. Saurez-vous me pardonner d'être trop bête? Je sais pas. Je serais vous, je le ferais pas, mais... Ok, là, il y a un nœud neuf. Évidemment récupéré, bien sûr. Va dessous. Si un jour, je sais comment. Comment je vous pousse? Vous avez quelque chose, les pétards? T'avais peur. Let's go. Avant, l'espérance de vie était moins longue, beaucoup de pathologies passaient à la trappe. Maintenant, tout ressort avant de passer l'arme à gauche. Oui, c'est ça. Puis même, bon, y avait plus de risques, hein. Enfin... Avant, on mourait aussi parce qu'on n'avait pas la connaissance de tout ça. On a quand même une connaissance scientifique qui est beaucoup plus forte maintenant, donc... Encore heureux qu'on meure moins, j'ai envie de vous dire. Sinon, ce serait vraiment la grosse honte, quoi. Il y a une flamme là, et l'autre flamme à côté. Ok. Ça me rassure un peu de retrouver des œufs quand même, parce que j'étais en train de me dire putain 64 et j'arrive plus à en trouver un seul. C'était pas la Miracle Run, non. Ouais, je vais au coffre là. Là c'est banger là, on va au coffre. On va trouver un autre truc. Nouveau jouet, faux disque. Ah. Je peux le mettre à la place du disque, du coup. Non mais là, il faut que j'aille là. Il me faut le disque pour tirer là-dedans. Ah ! Oh, la mécanique de zinz. Je me suis surprendre. Le yinche a des moves. Non mais c'est ultra loin. Vraiment je me retape tout le level là. Une dinguerie, c'est vraiment ça. En même temps j'avais qu'à faire attention. Je me suis fait chien aide. Sortir plein de bails sombres. Heureusement. Heureusement, heureusement. Ce qui nous permet de pas mourir bêtement à 20 ans en bouffant du sirop de plomb. Du Moyen-Âge, sûrement des humains ont réussi à faire comprendre aux autres qu'il fallait arrêter de mettre la bouche sur tout ce qui se trouvait par terre. L'espérance de vie a augmenté de 20 ans d'un coup. L'histoire de la médecine, c'est un truc de zinzin. C'est vraiment bien ça. C'est vraiment que des bons bails l'histoire de la médecine. Ouais, c'est vrai que c'était chiant ici. Ok. En vrai, c'est pas grave. Ah, mais je vais me refaire chien aide. Je dis c'est pas grave, mais c'est peut-être grave là ce qui est en train de se passer.
joue safe, on joue les bubules. Et là on trace. Seulement j'avais plus de life. En fait, il faudrait ouvrir ce truc là, mais le faux disque n'est pas un vrai disque. Il faut un disque pour ouvrir ça. Donc ça, c'est chien saucisse. En fait, une fois que tu sais que tu peux prendre de l'avance comme ça, c'est bon. C'est pas si dur, c'est juste que je me suis surpris tout à l'heure. Ah ! Putain, mais ils sautent pas ! C'est pas grave. Ok ? C'est pas grave, j'adore refaire 28 fois la même chose, là. Je me fais chien saucissède. Ah oui, saucisse. Je me fais chien saucissède là. Une dinguerie. Pour le chien, ouais, j'avais compris mis de bas. j'ai pas le QI de... J'ai pas 139 de QI comme le funk, mais... J'avais saisi la subtilité, je vais pas te mentir. Je l'avais celle-là. Après, ça me paraît bizarre, en vrai, que je galère autant. Je me dis que je suis peut-être censé mourir, en fait, et aller échanger les disques. Étant donné que là au moins j'ai 4 life, je changerai de mes deux habituels. Et bien le jeu. Ah mais du coup faut faire le tour et ressortir, ok je viens de comprendre, c'est pour ça que je galérais. C'est un aller-retour qu'il faut faire. Ce saut là est chiant! Ce saut là est trop dur. Je suis mort. Il est tellement. T'as, il est un peu précis ce saut, c'est trop dur. Vas-y, je me fais que saucissède. C'est l'heure du goûter. C'est 1h40, c'est plus minuit là. Pourquoi ce goûter de 1h40? Sarbacane à air comprimé. J'ai jamais trop fait, moi, ça, les sarbacanes à air comprimé. J'aimais trop mon effaceur pour le fumer, faire une sarbacane. Je prenais la non-violence, déjà. Déjà un défenseur des droits de l'homme. Riolet pistache. Et vous voulez pas avoir des vrais desserts et des vrais goûters, là ? Plutôt que de manger des trucs de clébard. Je dis ça avec tout le bien que je pense de vous, bien sûr. Tiramisu, moi, je suis pas fan, parce que café, je suis pas fan. Et bon, riz au lait pistache... Ça a l'air ok, mais ça fait pas rêver. Ça manque de fantaisie, je trouve. Manque de Final Fantasy, peut-être même. Allez. Je suis un gamer ou quoi? Il
La fatigue commence à se faire sentir. Putain, mais il est quasi 2h du mat. On s'amuse trop en live. Hein. Vraiment. Hein. C'est grave plaisir d'être revenu à 2 viewers là. C'est dur ça. C'est vraiment pas un passage facile ça. C'est abusé quand même. Il est venu par là le chien. Littéralement parce que c'est un yinch. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire ça non plus, il veut pas descendre! Si je meurs à cause de ça, je pète un câble. Il me reste un cœur, c'est bon. C'était vraiment dur cette vase. Et tout ça pour débloquer un raccourci ici. Ok, donc maintenant que j'ai le faux disque, on le remplace par là, mais ça a marché. Il va kiffer le renard loup. Ok, il dit rien. Je vais aller ouvrir le raccourci quand même. C'est easy à faire ça maintenant. Ta-da-da. Bien qu'il joue comme s'il était en congé. Il va être éclatax demain le reste de la semaine. Non, en vrai, ça va. Ça va, ça va. On va s'arrêter vers 2h là, tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Le café, mais le tiramisu, ça passe tout seul. Il y a plus ou moins café, je pense. Parce que le mascarpone, c'est assez... assez sucré pour... pour faire oublier un peu le goût du café. Le boss 2h du mat, y a pas de boss dans ce jeu. Je suis mort bêtement. Bon, je récupère des items, mais je sais pas où je vais. Hein. C'est le chien. Le chien de 2h du mat. J'ai l'impression que j'ai beaucoup avancé dans le jeu en fait, mais juste faut trouver les bons chemins maintenant. C'est galère ce passage là, à chaque fois on voit rien. Je crois que dans ces écrans noirs, là, il y a plein de trucs, mais on voit jamais rien. Attends, ouais. J'aurais aimé en voir plus. Des fraises dans le tiramisu. C'est pas trop surchargé, du coup. Mascarpone, fraises et tout. C'est pas vraiment un tiramisu classico quoi. Il y a des fraises en plus, il est un peu fancy le tiramisu. Ce café ça marche pas ouf quand même. Je suis pas trop fan de l'association, j'avoue non plus. Enfin, j'aime pas le café de base donc j'avoue que l'association café je suis pas ouf. Manger, je savais pas qu'il y avait des fraises dedans. Ah, ça se tient. L'argument est validé. En vrai, j'ai pas du tout besoin de faire ça. Là. Si, je suis obligé de faire ça pour ça. Je peux pas aller là-haut, là. Genre en grugeant. Ah, j'ai vu la salle du dessus. On peut gruger un peu. Laissez-moi gruger. Je vois pas assez de la salle du dessus pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Quoi qu'il en soit... Merde. Qu'est-ce qu'il y a là ?
Galère ce level. Ce fragment de levels. Ok, donc je peux occuper Lienche maintenant. J'ai compris. Ah, mais je peux faire ça aussi. Ah. Et je tout. Pas clair. Hein. L'œuf dépravé. Tout n'est pas clair, mais on est là. Freaks. Ok. Théorie, c'est juste la maman de Nirla. Connais Nirla et du coup, elle a tout mis dans son gâteau. Je pense aussi, hein. Oui, les goûts et les couleurs. Elle était au marché, elle a vu des fraises locales, elle a décidé d'en prendre. Puis elle s'est dit que ce serait une bonne idée d'en mettre dans le tiramisu. Et ça se passe très bien. Bah, elle a bien raison. Maman Nirla. Et on l'embrasse si elle nous regarde. Je pense pas qu'elle regarde ce stream. Elle a bien raison. De dormir à 2h du mat et de pas être un déchet comme moi. Beaucoup de hanches là. Au final, j'ai pas tourné en rond trop longtemps pour retrouver mon chemin. Plutôt heureux de ça. Je suis moins heureux de tout ça. Je suis obligé d'aller par là. Il y a un Corbax. Descends, va où? Une allumette de merde. Ok. Ah oui, on est là, ok. Toi, tu nous emmènes où, bro? Bonne nuit, Neosis. Ce fut un plaisir. Bon courage pour demain. Essaie d'éviter de lécher du plomb ou de l'amiante. Ça vaut mieux pour tout le monde, paraît-il. Tu repasses quand tu veux, ce sera avec plaisir. On va pas tarder de se quitter, nous non plus, mais je sais pas, là, je suis dedans. Là. Oh, faut ajuster une courbe. Ça, j'aime bien ça.
peut-être faire un truc comme ça. Un truc comme ça et je remonte tout. Bon, j'essaie de voir à peu près ce qu'on peut avoir comme courbe. Oh, c'est trop exagéré. Comme ça, c'est pas mal, mais elle est pas assez, je sais pas. Mais après, je peux vraiment la baisser. Faut vraiment la baisser au max, je pense. Sur un début de truc, là. Zéro pour cent sur un début de truc. Une patrouille en tes clients, je me permettrai pas. C'est pas mal ça. Œuf de jade. Let's go. Qu'est-ce que cet endroit? Je possède l'arnaque, mais je sais pas si je peux y aller. J'ai vu l'arnaque, mais... Oh putain, je peux... J'ai peur que ce soit trop haut. J'ai peur que l'arnaque soit trop haut. Deux. J'ai trouvé 16 œufs. 16 œufs. La dingue, les amis. On vient de trouver 3 œufs d'un coup. 3 pièces, 3 œufs. Sur ton âge, début de tube. Iconique de tectonique pour très joueur. Je sais pas. J'ai pété un câble. Juste pété un câble, Midoba. J'ai pété un boulard. On va aller voir ce que donnent ces œufs. 16 œufs. Je sais pas où on va. Hein. C'est quand t'es parti en 2006. Ça arrive souvent. Œuf sucré. Un œuf sucré au sucre. Ah, et ça nous fait aller là. Et du coup, on est de retour là. Une dinguerie de level design de jeu. Il est bien foutu. C'est bien branlé, le. Ok, 16 ou ça donne quoi? Ça donne un autre œuf. Un crayon. On peut écrire sur la carte. Super. Prochain, c'est 32 œufs, du coup. Et après, c'est 64. Oh, la dingue. Impossible non-off challenge. J'ai un peu envie d'aller tout en gauche avant de visiter. Hein.
On n'ira jamais là-haut en fait. Est-ce que de là-haut je peux aller à gauche? Hein. Mais il y avait un autre truc là. J'y arrivais. Surtout que je fasse un autre truc avant. J'ai vu. Ah là, il y a un truc, mais on peut rien y faire. Bon, c'est pas grave. Flippé de ouf ce con. Ok, on peut revenir par là. Quel jeu pour enfants ? Si t'as des pétards, l'épreuve, elle est tout de suite beaucoup plus facile. Du coup, je suis baisé. Et je récupère des œufs. Putain, il y a passé, il y a une heure où j'ai pas récupéré un seul œuf. Là, je les enchaîne par contre.
galère cet endroit. J'ai glitché l'inche. Il a jamais voulu récupérer le frisbee. Ah, je suis descendu, j'ai tout exploré en bas en descendant. Pas sûr de ça. On est vraiment pas sûr de ça. Une fois que c'est cassé, ça reste. C'est bon à savoir aussi. Et là, j'étais descendu. Ok, un autre 9-9. I see. Let's go. C'est vrai qu'il y a un truc là à chaque fois. C'est pour une clé ? J'en ai plein des clés, je sais pas à quoi ça sert. Cursed. Cursed. Très peu fan de Draculax. Fait avec Draculax. Bon, après en vrai il fait peur mais il sert à rien. Alcove. C'est dur. Dur d'être au point sur les boutons. Bah, il y a une alcove, on sait pas à quoi elle sert. Comment je le tue des fois? Je l'ai pas mis un coup là tout à l'heure? C'est lui qui m'en met, ok. Ah. Ok, bah on se casse.
mais qu'on a rien à foutre là. Il y a Draculman, t'as peur de Batman? Bah, je sais pas quoi foutre avec Batman surtout. Plus que peur. Okay, I have no idea what I am doing with Batman. Je pense qu'on peut faire un truc du genre ça. Off interdit. La dingue! J'ai l'impression qu'il y a un passage par là, mais on fera rien. À moins une dinguerie, je... Ok. Le funk saurait, lui. C'est vrai qu'il saurait. Parce qu'il est plus fort. Que nous tous. Meilleur d'entre nous. Ah. Oh. J'ai envie d'arrêter parce qu'il est 2h09, mais j'ai envie de continuer. C'est vraiment une maladie. Conception. Ok. Le jeu fait le truc tout seul, c'est une dinguerie. Ok, c'est smart. C'est smart de fou. Deux yeux en plus. Je sais pas combien on a récupéré d'œufs là, mais on a dû en récupérer 10 en 20 minutes. J'abuse peut-être un peu. Je suis peut-être un petit peu marseillais sur la stat, mais...
J'étais pas loin. J'y ai pas cru, il faut des bulles. Faut pas des bulles, faut y croire. J'y crois pas. Pourquoi j'y crois pas? En fait, faut sauter plus vite. Voilà. Je me tape le plafond. Biglomètre Casper à la fin du jeu. Faut trouver les 64 œufs. Trouver les 64 œufs, ça doit être un... Faut s'accrocher, à mon avis. Là, si j'en trouve 32, je serais heureux. Je suis plutôt aux aguets, là. J'aimerais bien avoir une deuxième flamme, en fait, avant qu'on s'arrête ce soir, mais... Je sais pas si je la mérite, en fait. Ça va à quoi d'aller là? Par bien à rien. Intérêt de tomber. Hôtel du faux disque. Faut que j'emmène le faux disque ici. Faux disque. Je vais me faire poursuivre par le loose. Oh, on a retrouvé notre pote, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Que des salles de merde ici. J'en ai quelque chose à foutre de cette salle, je pense pas. Hein. Aïe. Je pense que je tombe, non? Ah non, c'est bon. Putain, faut l'emmener tellement loin. Évidemment, c'est le seul moyen d'accéder à la truc. Putain, faut emmener le faux disque ici, quoi. La dingue. En vrai, si on reste là... Ah non, mais non, mais faut faire tout le tour. Quand même. Donc ouais, c'est vraiment une dinguerie. Bah écoutez, YouTube, on emmène le faux disque, là-haut, dans la prochaine VOD. Bisous YouTube, on va se faire poursuivre, cette dingo là. Cette dingo. Au revoir.